a pas mal d'initiatives en termes de relations école. C'est important pour nous d'aller discuter des possibilités offertes au sein de CGI auprès des étudiants, qu'ils soient dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de management, puisqu'on a aussi différents métiers à proposer. On a des partenariats avec des chaires, hein, comme par exemple avec le CE Dauphine. On a aussi des actions auprès des associations dans les écoles. C'est un autre moyen d'accéder directement aux étudiants, sous un angle un peu différent, puisque souvent on a des partenariats avec ces associations sur le thème de l'inclusion, qui est importante pour ces nouvelles générations. Autour du handicap, autour de tout ce qui est inclusion, hommes, femmes, etc. On a toute notre politique de stagiaires et d'alternants qui est hyper riche. On a aujourd'hui plus de 1000 jeunes qu'on accueille dans le cadre de stages, dans le cadre d'alternance, avec une transformation en CDI à 70%. Donc c'est vraiment une politique qui est importante pour nous. Les sujets de recrutement, en effet, sont relativement connus sur le marché dans les métiers du numérique. On parle beaucoup de guerre de talents, on parle beaucoup de manque de ressources dans ces métiers. Donc la problématique majeure, c'est d'attirer l'ensemble des talents. On a des difficultés sur certains profils, comme des développeurs, des jeunes expérimentés, des profils de chefs de projet. Et aussi des profils qui travaillent sur certaines solutions comme SAP. Une autre difficulté qu'on peut avoir, c'est le recrutement de talents féminins. C'est une autre problématique, mais qui est importante sur les métiers du numérique. Même si on a déjà chez CGI 35% de recrutement de femmes, aujourd'hui on a vraiment cette ambition de pouvoir aller les chercher et puis qu'ils viennent compléter les talents de l'entreprise. Et je pense que c'est un enjeu majeur. On peut voir dans l'éducation que tout n'est pas encore, j'allais dire, mixte. En tout cas, on a ces idées préposées de les garçons aiment plus les mathématiques, les femmes et les filles plus des métiers, enfin en tout cas des matières littéraires. Donc on a aujourd'hui, en tout cas chez CGI, la volonté, et c'est ce qu'on fait, d'aller présenter nos métiers dans des lycées, dans les collèges, pour les faire connaître, hein, à des futurs talents féminins. On a une cible aujourd'hui chez CGI d'avoir 40% de nos profils recrutés via de la cooptation, et on voit que ça marche bien de pouvoir choisir ses collègues. On a mené même des actions un peu particulières, comme dernièrement, on a organisé une après-midi avec les filles de nos collègues d'Auteur at Work pour présenter ces métiers et pour, eh bien, si ce n'était pas le cas, mais leur dire qu'elles ont toutes leurs chances et qu'elles aussi elles peuvent avoir des métiers dans le numérique et développer leur carrière dans ce type de métier.